Salut tout le monde, c'est Calypso53. Aujourd'hui, on se retrouve sur Forza Horizon. Bon, l'un de mes jeux préférés maintenant, faut que je l'avoue. Donc, on est dimanche, 2 jours avant la sortie de GTA V. Et j'ai déjà même pas de youtubeurs comme Raf Killer, Siskarn et tout, qui sont déjà sur GTA V. Et moi, j'ai le gros seul. Donc, du coup, je vais sur Forza Horizon. Et puis, on va faire une petite vidéo ensemble. J'avais l'intention d'essayer de faire du drift en Bugatti Veyron, j'en ai jamais fait. Et pourquoi pas essayer. Donc là je suis en mode solo, vous l'avez vu, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de circulation. D'habitude de toute façon je fais mes vidéos en mode solo, donc on va essayer de drifter en Bugatti, mais je sais pas ce que ça va donner. Ouais, ça a l'air d'être tendu quand même. On va essayer, on va bien voir. Faut peut-être pas que j'aille aussi vite quand même. Ah, ça passe. Par contre, faut vraiment donner des coups de frein à main, je pense. Ah, mais pas des trop gros. Oh la vache. Explosage de Bugatti en direct. Allez, on va aller passer par là. Ah, c'est dommage qu'il fasse nuit. Bon, c'est pas grave, j'aime bien quand il fait nuit aussi. Mais je préfère le jour. Hop. Ça, on va dire que c'est le drift de riche. Drift en Bugatti, normal. Wouhou! Ça passe. Bon, c'est pas des énormes. Oh là là! Franchement, je vous assure, c'est vraiment super dur. Parce qu'elle part tellement vite. Enfin, elle a tellement de puissance que. Allez, doucement. Putain, en plus, je connais pas cette route là donc. Wouhou! Je pète tout! Je suis encore en combo. Et j'en ai fait exprès de tout péter, je préfère vous le dire. C'est juste pour faire monter le combo. Oh, ça passe! Voilà. Wouh! Allez, il est pas mort mon combo! Il est pas mort! Allez, on se concentre! Ah non, il y a du monde! Oh! Ah putain, la voiture devant elle m'a fait trop peur. Ouais, c'est vraiment le problème parce que là la voiture elle est tellement rapide que on n'a pas trop le temps de freiner, de maîtriser la voiture. Wouh! En plus j'ai enlevé toutes les aides. Donc c'est pour ça que la voiture elle part vraiment en couille. Et c'est le but du drift, on va dire. Wouh! Allez, on est bon là. Oh là là, et vivement GTA 5, franchement j'en peux plus d'attendre. J'espère vraiment le recevoir le 17. Aïe! Donc comme j'avais dit, je ferai pas de let's play sur GTA V. Mes premières vidéos, je sais pas si je vais la poster le 17 septembre. Déjà, faut que je reçoive le 17. Mais je pense qu'il y aura plus de chances que ça soit le 18, voire le 19, que je mettrai ma première vidéo sur GTA V. Et franchement, j'ai vraiment hâte de jouer à ce must de l'histoire du jeu vidéo. Wouhou! Oh, le drift qui passe bien! La pute de voiture là! Non, je suis dégoûté! Oh, lui il passe bien! Oh, les, c'est beau ça! Oh! Esquive de voiture! Ah, la rail! Wouh! Allez, ça passe là! Oh putain, c'est dommage que j'ai touché le mur! Oh, les! Oh, bien entendu là, je. Le drift en Bugatti, c'est pas fait pour faire des énormes trucs, mais c'est juste pour le fun. C'est dire qu'on drift en Bugatti. Enfin, que j'essaye en tout cas. On va ressortir d'ici parce que ma voiture elle est trop rapide pour drifter ici. On va ressortir doucement. Bon, j'ai dit doucement. Merde, je me suis trompé de route. Je suis en train de refaire le tour. C'est par là normalement. Et là, on va aller par ici. Ouais, ça va passer par là. Non. Aïe. Le petit Airbus qui me bloque comme ça, normal. Je suis un Airbus de farm. On va tourner. Allez, à gauche. Attends, je vais vous faire voir les geysers aussi. C'est trop énorme. Vous allez voir. Une fois, je suis passé à côté, je savais pas c'était quoi, et là j'entends. Attendez, on attend. J'ai vraiment envie que vous les voyez. Allez,
Je sais pas par contre quand est-ce qu'ils vont... Ils le font. Ça devrait pas être dans longtemps. Ah et voilà. C'est énorme. Moi j'adore. Enfin bref. Et la première fois que je suis passé à côté, j'ai sursauté parce que j'ai entendu un gros pfff. Je savais pas c'était quoi. Puis bah j'ai tout de suite vu ce qui est le gros jet après. Enfin le gros jet. Faites pas d'allusion sexuelle. Désolé, j'ai vraiment les idées mal placées comme d'habitude. Wouhou. T'as là vraiment un son de ouf. Ouais, donc du coup en attendant GTA 5, moi je joue un tout petit peu à Forza. Je regarde beaucoup de séries, de films et tout. Là en ce moment, là juste après, j'ai regardé Fast and Furious 6. Et ensuite Very Bad Trip 3. Je regarde Breaking Bad. Oh bref. J'essaie de m'occuper l'esprit en gros. Je sais pas ce que vous faites en attendant GTA, mais bah, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Ne me dites pas que vous vous branlez. Hein. Ça, je m'en bats les couilles, honnêtement. Ça, je vois bien les petits malins qui vont faire les malins, justement. Wouhou, j'ai réussi à pas partir en tête à queue. Wallé. Wouh. Wallé. Même pas cassage de... Ah putain, j'arrive plus à parler. Voilà, il est pas mal ce petit drift là. Je suis en bon combo. Oh là, je vais partir tranquille. Non, même pas. Oh, les voitures. Wouhou. Oh, c'est pas du... C'est vraiment pas aussi beau que les drifts que je fais avec les vraies voitures de drift, mais bon. C'est sûr, c'est assez amusant quand même. Ah, savoir que la Bugatti, c'est l'une des voitures les plus chères du jeu. Donc se dire qu'on drift avec, ça me fait marrer, moi je sais pas pourquoi. Attention la voiture. Non. Oh non. Putain, j'étais à je sais pas combien là. Je crois que j'étais à plus de 15 000 x 5. On va essayer, on va aller changer de voiture. Tac. Oups là. Elle monte tellement vite. Oh, sinon on peut aller faire un tour sur l'autoroute pour que je vous fasse voir comment elle monte. Hop là. Alors, il y en a sans doute qui veulent voir comment elle monte la Bugatti sur ce jeu. C'est assez ouf quand même, je dois vous l'avouer. Ah, c'est pas la voiture la plus rapide du jeu, mais pour moi c'est la meilleure voiture parce que... comment dire. Quand on est à plus de 350 voire 400, et c'est celle qui tient le mieux la route. Bon bah par contre pas qu'on est en mode drift, hein. Ça va de soi. Hop là. On va y aller en drift. Oh putain, je suis trop nul. Wouhou. Wouhou. Le mec est trop content. Ouais, je suis allé au virage. Wouhou. C'est la fête. On va passer à la troisième pour éviter de déraper trop. Wouh. Ah oui, aussi le 17, bah, à la sortie de GTA 5, je passe mon code. Ça se trouve, c'est un signe. Je vous dirai les résultats plus tard. J'espère que c'est un signe, un bon signe. On verra bien. Bon, allez, c'est parti. Par contre, on est encore pas sur l'autoroute, donc on va ralentir. Hop là, le petit mur. Hop là, je viens de rayer une peinture à quelques milliers de dollars. Super. Doucement. On va faire gaffe aux cars. C'est rare qu'on voie des cars, d'ailleurs. Je crois pas qu'on puisse en conduire dans... Hop là. Vroom. Allez, c'est parti, on arrive sur l'autoroute là. On va se positionner tranquillement. Et hop, attention. Même, départ arrêté, frère. Ah, je suis passé en troisième sans faire exprès. J'ai dû appuyer deux fois sur le bouton. Elle va vraiment vite. Hein. Sachant qu'elle a 7 vitesses à mon souvenir.
Aïe. Aïe, aïe. Oh putain. Ça fait stresser ça. J'ai vraiment plus l'habitude de les conduire à cette vitesse là les voitures. Oh, oh bah j'ai été stoppé net. De 400 et quelques à 0 en une seconde, même pas. Le meilleur freinage. Je vous avais dit que c'était la meilleure voiture. On drift sur l'autoroute. Ah, ça va être tendu. Drift en cinquième. Elle tient la route, hein, même en faisant des coups de frein à main à 300. Ouais, c'est tendu là. Ah là, je peux vous dire que c'est vraiment tendu de garder la... oh putain, la trajectoire. Allez, gentil la voiture. Je suis le pro du drift. On va essayer de faire le virage en drift là. Ça risque d'être tendu mais bon. Ouais, c'est trop tendu. Oh, j'ai le car. Ouf. Est-ce qu'on change de voiture pour la fin? Allez, juste pour le... pour le load, là, on va changer de voiture. Ah, j'ai pas de radio depuis tout à l'heure. Ah, mais c'est normal, de toute façon, je m'en fous. Parce que je vais mettre de la musique en fond, comme je fais habituellement. Donc c'est pour ça que tu vas te taire, là, ouais. Est-ce qu'on peut passer par là? Ouais. Oh là. Wouh. Y a le H ici. Ouais, c'est ici. Hop là, gentil. Bon. Et voilà, on est arrivé. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme voiture? Ah, je peux prendre la voiture, l'une des... Je crois que c'est la voiture la plus chère du jeu d'ailleurs. À moins qu'il y en ait une autre, je crois qu'il y en a une autre, mais... Attendez, je vais vous la retrouver. La McLaren. Elle coûte 5 millions à mon souvenir. Ouais, c'est cher. Putain, j'ai vraiment geeké ce jeu pour avoir vraiment toutes les plus grosses voitures. Enfin, je sais pas toutes, mais les plus grosses voitures qui me plaisaient en tout cas. Et j'en ai une bonne... Je crois que j'en ai plus de 60, 70 à peu près. Donc j'en ai un paquet quand même. Allez! Plus vite! Celle-là j'adore. J'ai mis tout en carbone en plus. La différence de son, c'est abusé. On va essayer de drifter avec la McLaren. Ouh, c'est tendu. Elle glisse beaucoup moins. Aïe! Par où qu'on pourrait... Ah, on peut aller drifter par ici. Oh, trop dur. Avec une vraie voiture... Enfin, une voiture de drift que j'ai habituellement, j'y arriverai, mais là, non, je peux pas. Un petit burn-out. Et là, on se remet droit. Ah bah non, j'ai pris le mur. Oh, ça m'a remis droit. Hein. Non. Gentil la voiture, gentil. On va aller à droite. Oh putain, le mur. Enfin, le poteau. Bon, elle va pas super super vite par rapport à la Bugatti elle. Mais elle tourne quand même. Hein. Hop là, ralentissage. Tout en douceur. On va aller par ici. Je crois qu'on peut reprendre l'autoroute par là. C'est tellement mieux de jouer en manuel. Ça change complètement le jeu. Hop là. Par ici. Par contre, on est en contresens, mais c'est pas grave. C'est ce que je vais faire quand je vais passer mon permis. Je vais aller en contresens. On verra ce qu'il me dit. Frère, t'as joué à GTA?
Par contre, j'aimerais bien retourner sur l'autre voie. C'est pas trop demandé. Oh, aïe aïe aïe. Ah bah voilà. Est-ce que je peux retourner? Ah, j'aurais dû retourner sur l'autre voie là, par en bas. Mom. Ah, je peux y aller. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. On peut faire une pointe cette fois. Bon, celle-là, je crois qu'elle monte à 350 à peu près. Elle a que 6 vitesses, elle. Enfin, que 6. Habituellement, on a 5 vitesses sur les voitures normales. Ouais, je me rappelais bien, elle a à peu près 350. Bon, là, je suis en mini montée, donc 350, 360 à peu près. Faut que je fasse un 180 et après on se quitte là-dessus. Oui, monsieur, allez. Enfin, je le fais après, là. J'attendais de faire le virage, quand même. Ouh, L360. Ah non, j'avais la barrière. Et le burn-out. Oui, monsieur, c'est qui le papa? C'est moi. Non, pas la barrière. Bon, allez, je vous quitte là-dessus, en marche arrière. Allez, sur ce, bye bye, j'espère que cette petite vidéo détente vous aura plu. Ouais, voilà. C'était vraiment pas une vidéo où que je montrais mes talents, entre guillemets, de pilote. C'était surtout le genre, je prenais plein de murs. Enfin, bref. Moi, je me suis bien amusé, ça m'a fait bien passer mon temps. Et puis, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, la prochaine vidéo, et bah, j'ai envie de dire, on se retrouve sur GTA 5. Hein. Putain, enfin, mon dieu. Ouais, j'étais à 5. Wouhou. Bon, allez, sur ce, bye bye tout le monde. Allez, salut. Bye bye.